inspiration, elle vient avec n'importe quoi. Ça peut être avec le sac, ça peut être avec la table. J'ai cette liberté que peu d'artistes ont de faire, d'aller où j'ai envie d'aller. Des fois, je me réveille le matin, je dis tiens, je vais faire ça. Et ce qui est particulier dans ma création, c'est que je crée peut-être tous les mois une nouvelle sculpture, une nouvelle création, une nouvelle quelque chose. Généralement, un sculpteur ou un artiste, il fait une collection pour un an, c'est bien pensé, etc. Moi, j'ai passé upside down. J'ai commencé par la fin, par la queue. L'idée que j'ai, donc, c'est effectivement de mettre une de mes sculptures favorites conduisant la voiture. Driving the car. Donc ça, on va mettre certainement le King Kong, qui est un de mes emblèmes. Pourquoi ? Parce que c'est l'animal pour moi qui est le plus proche de l'homme et on s'identifie le plus. Et c'est l'animal qui a toutes les qualités de l'homme et il n'a pas ses défauts. Puisqu'il a sa violence, sa force, peut-être son intelligence. C'est l'homme parfait, quelque part. Donc c'est ça, et c'est lui qui va conduire le frame.